À l'occasion du 25e anniversaire du premier concours d'art radiophonique, nous vous invitons à écouter Maremoto et Great Guignol de Gabriel Germinet. Production de Paul Dermé, réalisation Georges Godbert. Monsieur Paul Dermé, président de l'Union d'art radiophonique, vous parle. Le 16 juin, il y a eu exactement 25 ans que fut couronnée par un jury particulièrement averti la première pièce écrite spécialement pour le micro. Nous fêtons donc aujourd'hui les noces d'argent du théâtre radiophonique et de son découvreur, Gabriel Germinet, dont la pièce, Maremoto, fut classée première le 16 juin 1924 au concours organisé par l'hebdomadaire L'Impartial Français. La radio était donc encore à ses tout premiers tâtonnements lorsque naquit simultanément, et c'est assez étrange, en France et en Angleterre, l'idée de demander aux auteurs d'écrire des pièces destinées à être entièrement intelligibles pour le son seul. Telle était la formule. La BBC commanda une pièce à Richard Hughes, qui fournit quelques jours après d'Angers et ne s'intéressa jamais plus au théâtre pour le micro. Tandis que Gabriel Germinet, qui devait remporter la couronne au concours de l'Impartial Français, non seulement est l'auteur de Maremoto que vous allez entendre dans sa version originale, ainsi que Greg Guignol qui suivit aussitôt, mais encore, il est le découvreur et le prospecteur du théâtre des ondes. C'est Gabriel Germinet qui est indiscutablement le premier dans le monde par son livre « Le théâtre radiophonique » paru en 1925, exposa ce qu'on pourrait appeler les voies et moyens du nouvel art. Feuilletons ensemble, si vous voulez, cet ouvrage qui porte comme sous-titre « Mode nouveau d'expression artistique ». Tout d'abord, un rapprochement saisissant, un choc d'où jaillit une vive lumière. Citation. Nous voici revenus à la formule du théâtre antique, plus grandiose encore. Le théâtre radiophonique a reculé jusqu'à l'infini les limites des gradins de ses auditeurs. Et tout de suite après vient cette formule qui seule permet de régler le tir radiophonique. Citation. Il faut tenir compte du fait que le public sans-filiste est composé d'individualités complètement isolées les unes des autres. Un peu plus loin, Germinet justifiait ainsi le côté grand guignol, si l'on peut dire, de ses premières pièces. L'auditeur n'est accessible radiophoniquement qu'aux sensations simples mais fortes. Un sujet créant des sensations extrêmes ou très dramatiques ou très gaies sera donc plus compréhensible que tout autre dans l'état actuel de la radiophonie. Et nous insistons sur ce point, disait-il, dans le pouvoir actuel de perceptivité des auditeurs. Mais ce n'est pas tout. Il y a 25 ans, ce précurseur, cet initiateur, exigeait déjà que les personnages d'une œuvre radiophonique fussent interprétés par des artistes à hauteur et timbre de voix différents pour que les auditeurs puissent mieux en comprendre les jeux respectifs. Il réclamait déjà une musique de scène destinée à constituer un fond musical, des décors sonores, et il est constamment question dans son essai d'art et de théâtre invisible. Voilà donc d'où nous tenons une bonne partie de notre vocabulaire. Et pour terminer cette présentation de Germinet et de son œuvre, voici en quels termes le grand romancier Édouard Estonnier résumait, à l'époque, les conceptions du précurseur. Précisément parce que privé des jeux de lumière et du secours d'une figuration visible, parce que réduit à la seule aide de quelques indications sonores, enfin et surtout parce qu'accueilli par un spectateur solitaire, le théâtre radiophonique est voué d'avance à la concentration intérieure. Il ne peut exister qu'en obligeant l'auditeur à participer à des débats fictifs devenus momentanément les siens propres. N'est-ce pas, chers auditeurs, la définition la plus complète du théâtre radiophonique et,
de sa première illustration, Marée Moto. Je suis là. Je cherche toujours mon briquet. Ah, quelle fourmi, mon vieux. Tiens, et voilà. Tu parles d'une danse, mon vieux François. Je sais pas comment nous allons nous sortir de là. Comment se fait-il que la camoufle soit éteinte? Oh. Tu vois que tout craque, là. On dirait que ce sacré rafio va se désarticuler. Ah, ouais, depuis 3 ans que je suis dessus, j'avais jamais vu ça. Tiens, là, tout sacré fourbi va nous dégringoler sur la tête. Approchons-nous du poste, c'est encore là qu'on tiendra le mieux le coup. Ah, mieux voir clair. Là, tout était prêt pour les appels quand la lame s'est engouffrée. Ah, elle était mouse pépère. Ah, pourvu que les appareils soient pas bousillés. Ah. Rien à faire pour télégraphier, monsieur. Nous sommes dans le beau drap. Et toi? Eh ben alors, nous aurons de la veine si on peut téléphoner. Eh ben, je crois que tout va ici. Tiens, change cette lampe là qui vient de flancher. On va comme ça, ça doit coller. Petit François, je crois bien que nous sommes foutus cette fois. Le temps est bouché et la mer est complètement démontée. Encore une voie d'eau. Et avec cette voie d'eau, nous ne pouvons pas nous en sortir sans secours. Ah oui. Alors on a bien échangé quelques mots ce matin avec le bâtiment suédois, mais ça n'a pas l'air détraqué. Nous avons encore de la veine. On nous répondra peut-être s'il y a suffisamment de jus. Le vieux ne t'a pas dit de commencer les appels? Non, il a dit qu'il allait venir. Eh ben, pour que le commandant dise ça, c'est qu'on est flambé. À nous deux, mon vieux. Et tout dépend de nous, maintenant. Et avec plusieurs longueurs d'onde, il a dit. 1785, allons-y. Oui. Allez. Allô? Allô, allô? Ici Paco, ville de Saint-Martin. En détresse par 23 degrés, 15 minutes, 25 secondes de longitude nord. Et 14 degrés, 35 minutes, 40 secondes de latitude est. Au chronomètre du bord, il est exactement 20h, 3 minutes, 35 secondes. Une voie d'eau à bas bord. Nous demandons du secours de toute urgence. Avertissez le port le plus proche. Nous ne sommes pas loin. Longueur.
sais, vaudrait mieux qu'on essaie encore avec 1785. Je ne sais plus comment appeler. Allô, allô. Ici, Paco, ville de Saint-Martin. En détresse par 25 degrés. 15 minutes 25 secondes de longitude nord. Et 14 degrés. 35 minutes 40 secondes de latitude est. Au chronomètre du bord, il est exactement 20h, 5 minutes, 5 secondes. Une voie d'eau à bâbord. Nous demandons du secours de toute urgence. Avertissez. Avertissez le bord le plus proche. On ne peut plus se tenir debout là. Qu'est-ce que tu as, Badin? Oh, j'ai cru que... J'ai cru que je m'étais ouvert le crâne. Allô, allô. Allô. Ici paquebot. Ici paquebot, ville de Saint-Martin. En détresse, par 23 degrés. 15 minutes. Grain a l'air de passer. Si ça se calme, on pourra peut-être s'en sortir. Ah, vraiment, j'aimais mieux Narvik, on avait plus de chance d'en revenir que d'ici. Peut-être. En tout cas, je crois que nous sommes faits quand même. Regarde un peu comme nous nous couchons sur bâbord. C'est la négresse, la lafrousse. Tais-toi donc! Tu vas nous porter malheur! Retourne dans ta cuisine! On t'a vu? Qu'est-ce qui se passe? Oh, va donc jeter le coup d'œil. Oui, j'en reviens. La ceinture de sauvetage, mon vieux! Alors c'est la fin. Il paraît qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut appeler tant qu'on pourra. Ah, j'aurais pas cru venir crever ici dans cette merde. Malheur! Appelons encore! Tout n'est peut-être pas perdu. Quelle nuit! On prépare les chaloupes. Allons-y, mon petit, allons-y. Oui, allons-y encore un. Allô, allô. Allô, allô. Ici, Bacbo, ville de Saint-Martin. En détresse, par 23 degrés, 15 minutes, 25 secondes de longitude nord. Et 14 degrés, 35 minutes, 40 secondes de latitude est. Au chronomètre du bord, il est exactement 20h, 6 minutes, 30 secondes. Nous nous couchons sur bâbord par suite d'une voie d'eau. Impossible de naviguer. Nous allons couler dans quelques minutes. Envoyez du secours, un peu de vapeur. Je ne peux plus articuler les mots. Laisse-moi essayer, laisse-moi. Allô, 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 allô. Ici Paco, ville de Saint-Martin. Mais non, essaye plutôt. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne sais plus ce que je fais, moi. C'est fini. Vite au chaloupe. Ah. Oh, trop tard, on est fait.
Au secours, Patin! Mesdames, messieurs, rassurez-vous, les hommes que vous avez entendus mourir sont toujours de ce monde, comme notre négresse d'ailleurs. Monsieur Paul Dermé vous donne l'explication du mystère. Chers auditeurs, vous venez d'entendre Marémoto, diffusé pour la première fois en France dans sa version intégrale et sans dispositif destiné à lui enlever de sa réalité dramatique. Mais nous avons à côté de nous au micro son auteur, Gabriel Germinet, à qui nous allons poser quelques questions. Mon cher ami, voulez-vous dire à nos auditeurs pour quelle raison Marémoto n'a pu être diffusée en France en 1924 ? Parce que les répétitions donnèrent lieu à de vives réactions parmi les auditeurs fortuits au cours d'une répétition sur l'antenne. Ils crurent à un drame maritime réel. L'émission fut donc interdite par le ministère de la Marine. Je dois ajouter toutefois que les professionnels ne pouvaient s'y tromper, puisque le point que donnait le navire en perdition le situait en plein Sahara, et qu'à l'époque, les bâtiments ne transmettaient que du morse. De nombreuses lettres affluèrent à Radio Paris, signalant qu'un poste de même longueur d'onde avait diffusé des appels de secours. Dites-nous maintenant quelle fut la carrière internationale de ce Marémoto. La pièce fut diffusée par la BBC, qui, sans l'annoncer, prévint les auditeurs qu'elle allait procéder à des essais spéciaux. De ce fait, peu crurent à un des